Comment je commence? Franchement, je sais pas comment commencer la vidéo, donc juste vidéo entraînement, voilà, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, ce sera du squat tempo et ce sera du bench wide grip, on va dire, plus large en tout cas. Donc ouais, ça va être cool. Je m'en fais pas trop pour le bench qui va arriver en second exercice. Pour le squat, je vais essayer de bien taffer la trajectoire aujourd'hui, parce que j'ai tendance à ne pas avoir une bonne trajectoire de barre. C'est-à-dire que à la descente, la barre fait une ligne droite, perpendiculaire un peu avec le sol. Par contre, ensuite quand je la remonte, elle a tendance à faire une diagonale parce que mon corps pivote d'une certaine façon. Donc c'est quelque chose qu'il faut que j'essaie de régler pour éviter d'avoir une déperdition de force. Donc ça va être le main focus de la séance, hein, on va voir. C'est compliqué parce que du coup c'est revoir tout un schéma moteur. Donc on va bien voir si j'arrive à le gérer. Mais c'est l'objectif. Donc voilà, le tempo va peut-être pouvoir m'aider à bien gérer le mouvement. Donc on va voir! Ok, je me suis senti super à l'aise sur le warm-up, donc franchement ça passe bien. Au niveau technique, je me sens bien, je me sens good, je me sens puissant, donc ça va le faire. On enchaîne avec 110 kilos, on va voir ce que ça va donner, tout simplement. Voilà, on doit être un RPE un peu léger. Voilà, on est parti pour 4 reps, let's go. Bon, je n'ai pas connu une série aussi inconstante depuis longtemps. Entre le fait que le tempo n'est pas pareil sur toutes les reps, en fait, je suis censé faire un tempo de 3 secondes. En fait, j'ai l'impression que, genre, la première, au final, je pensais qu'elle était trop rapide. Au final, le tempo n'est pas dégueu. Les autres, c'est du 5 secondes, ou peut-être 4 à la limite, mais c'est bien plus ralenti. Il y a un moment là où j'ai tapé le rack. Ensuite, il y en a un là où la dep, c'était pas au même niveau que les autres. Bref. Je vais baisser d'un cran mes sécurités, ça va moins me fuck up mentalement, ça sera mieux. Après sinon ça va en tant que tel, franchement ça s'est pas trop mal passé. Bon, certes ressenti peut-être un peu dur, même si je pense que j'en avais encore sur le coude, on est bien d'accord. Hein. Mais ouais, après en vrai techniquement je me sentais bien, dans le sens là où la trajectoire de la barre j'ai l'impression qu'elle est pas trop mal, donc ça va. Y a pas tout acheté dans cette série. Voilà, faut juste que je réadapte bien la technique et je sois plus focus, mais je pense qu'on est bien. Bon, j'ai regardé les rushs, en vrai ça va, genre ça passe. En réalité, niveau depth, je pense que je suis à peu près tout le tour à la depth. Certes, pas grosse marge, mais tout le temps à la depth. Donc en vrai, ça va, plus de beurre que de mal à ce niveau-là. Certes, le ressenti était quand même plus dur que ce que je voulais, mais on va gérer ça sur les prochaines qui arrivent et ça va faire tout seul, je pense. Bon, j'ai regardé du coup les rushs. Au niveau du ressenti, je me sentais pas de ouf à l'aise techniquement. Mais quand j'ai regardé la vidéo, franchement, c'est clean. Je suis content de la trajectoire de la barre. La depth est bonne à chaque fois. Bref, en fait, c'est juste au niveau ressenti parce que j'ai pas mal de cues
plus à mémoriser le tempo qui me perturbe pas mal durant mon lift, mais en tant que tel, après quand je regarde a posteriori la vidéo, ça se passe bien, donc c'est plutôt nice. Donc là je vais, ben là j'ai mes back-off, donc je vais continuer à taffer la technique et le tempo, etc. Ça va bien rentrer, mais franchement, en soi, certes c'est dur d'un point de vue technique à ancrer, mais ça marche, donc je suis content. Donc bah, let's go! J'ai soufflé sa mère, mais franchement, là, je me suis senti trop bien sur le mouvement. Donc là, c'est cool. Bon, normal, c'est des back-offs, c'est plus léger, c'est plus simple. Mais je sens que techniquement, ça rentre. Pardon si c'est un peu jacassé. Mais content, vraiment content. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir du squat, c'est juste que c'est dur techniquement parlant dans ma tête et tout, mais ça bouge bien, ça va sur la bonne direction. Donc dans l'ensemble, que du positif. Enfin, que du positif. Ça va vers du, ça tend vers du positif en tout cas. Pour le bench, là, on est passé sur du midi-rip du coup. Donc là, on part sur du 69 kg. Je augmente au fur et à mesure la charge pour potentiellement passer en mid-grip au lieu d'être plus bah, avec le petit doigt sur l'anneau. Donc un close grip en somme. Enfin, c'est pas vraiment close grip, mais c'est plus close grip en tout cas que juste avec l'annulaire. Donc voilà, au fur et à mesure, je vais commencer à switcher vers cette prise de main. Enfin, du moins, si j'arrive à mieux performer dessus, donc on va voir. Mais du coup, j'augmente progressivement le poids, histoire de voir si ça suit. Bon, c'est super bien passé. Donc là, on augmente le poids tout simplement. Faut juste que je corrige un truc. C'est que quand j'ai fini toutes mes reps, je re-rack directement. Genre, je pousse et je remets dans le rack directement. Or, en compétition, on doit attendre en haut qu'on nous donne l'ordre de re-racker. Sinon, la barre est invalide. Donc, il faut que je prenne plus. Enfin, faut que je mémorise plus le fait qu'il faut que j'attende. Donc faut que je travaille dessus, j'ai beau essayer de me le dire, j'y ai du mal, donc faut que j'attende. Voilà, faut que je me répète, attends, attends, attends. Voilà. Sinon, on remet ça on point. Ben voilà, là on a bien entendu, c'était clean, c'était bien long, normalement c'est bon. Bref, assez content de là-bas en fait, comment elle a bien bougé, donc plutôt nice. Donc je finis mes back-off et je vous reprends après. Bref, en fait j'ai rien de plus à vous dire, mis à part que si vous avez des questions, mais dites-moi, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, ben, je vous fais des bisous. J'espère que de votre côté ça se passe bien les entraînements et grosse force à vous. Ouais. Moi, je suis gentil en cette fin de vidéo. Bref, des zoubis!